regarderai pas la caméra. Sauf lorsqu'on l'exigera de vous. Vous oublierez. Vous oublierez. Que c'est vous. Vous l'oublierez. Je crois qu'il est possible d'y arriver. Vous oublierez aussi que c'est la caméra. Mais surtout, vous oublierez que c'est vous. Vous. Oui, je crois qu'il est possible d'y arriver. Par exemple, à partir d'autres approches. De celle, entre autres, de la mort. De votre mort perdue. Dans une mort régnante et sans nom. Vous regarderez ce que vous voyez. Mais vous le regarderez absolument. Vous essaierez de regarder jusqu'à l'extinction de votre regard. Jusqu'à son propre aveuglement et à travers celui-ci, vous devrez encore essayer de regarder. Jusqu'à la fin. Vous me demandez, regardez quoi? Je dis, eh bien je dis, la mer. Oui, ce mot, devant vous, ces murs devant la mer, ces disparitions successives, ce chien, ce littoral, cet oiseau sous le vent atlantique. Écoutez, je crois aussi que si vous ne regardiez pas ce qui se présente à vous, cela se verrait à l'écran, et que l'écran se viderait. Ce que vous serez en train de voir là, la mer, les vitres, le mur, la mer derrière les vitres dans les murs, vous ne l'aurez jamais vu, jamais regardé. Vous penserez que ceci qui va se passer n'est pas une répétition, que ceci est inaugural comme l'est d'elle-même votre propre vie à chaque seconde de son déroulement. Que dans le déferlement milliardaire des hommes autour de vous, vous êtes le seul à tenir lieu de vous-même auprès de moi, dans ce moment-là du film qui se fait. Vous penserez que c'est moi qui vous ai choisi. Moi. Vous. Vous qui êtes à chaque instant le tout de vous-même auprès de moi. Cela, quoi que vous fassiez, si loin ou si près que vous soyez de mon espérance. Vous penserez à vous, mais comme à ce mur, à cette mer qui ne s'est jamais produite encore, à ce vent et à cette mouette qui sont séparés pour la première fois, à ce chien perdu. Vous penserez que le miracle n'est pas dans l'apparente similitude entre chaque particule de ces milliards du déferlement continu, mais dans la différence irréductible qui les sépare, qui sépare les hommes des chiens, les chiens du cinéma, le sable de la mer, Dieu de ce chien ou de cette mouette tenace face au vent, du cristal liquide de vos yeux, de celui blessant des sables, de la touffeur irrespirable du hall de cet hôtel passé, de l'éblouissante clarté égale de la plage, de chaque mot, de chaque phrase, de chaque ligne, de chaque livre, de chaque jour et de chaque siècle, et de chaque éternité passée ou à venir, et de vous, et de moi. Durant votre passage, il vous faudra donc croire à votre inaliénable royauté. Vous avancerez. Vous marcherez comme vous le faites quand vous êtes seul, et que vous croyez que quelqu'un vous regarde, Dieu ou moi, ou ce chien le long de la mer, ou cette mouette tragique face au vent, si seul devant l'objet atlantique. Je voulais vous dire, le cinéma croit pouvoir consigner ce que vous faites en ce moment, mais vous, de là où vous serez, où que ce soit, que vous ayez partie liée avec le sable, ou le vent, ou la mer, ou le mur, ou l'oiseau, ou le chien, vous vous rendrez compte que le cinéma ne peut pas. Passez outre. Laissez. Avancez. Vous verrez. Tout viendra à partir de votre déplacement le long de la mer, après les piliers du hall, du déplacement de votre corps dont vous aurez pensé jusqu'à cet instant-ci qu'il était naturel. Vous tournerez vers la droite et vous longerez les vitres et la mer derrière les vitres dans les murs, la mouette et le vent et le chien. Vous l'avez fait. Vous êtes le long de la mer. Vous êtes le long de ces choses scellées entre elles par votre regard. La mer est à votre gauche en ce moment. Vous entendez sa rumeur mêlée à celle du vent. Dans de longues portées, elle avance vers vous, vers les collines de la côte. Vous et la mer, vous ne faites qu'un pour moi, qu'un seul objet, celui de mon rôle dans cette aventure. Je la regarde moi aussi. Vous devez la regarder comme moi. Comme moi je la regarde, de toutes mes forces, à votre place.